Je pense qu'on est tous vraiment... Moi, je suis encore plus déterminé qu'avant, je pense. J'étais déjà super déterminé avant, mais le bateau, il est bien. Ça, c'est un fait, tout le monde le dit, mais il y a des mecs à bord, c'était génial, quoi. Écoute, entre nous, ça se passe bien, il y a eu des super moments. Donc voilà, du coup, retour, tu essayes aussi un petit peu plus de profiter des gens avec qui tu navigues, de prendre un petit peu plus de temps, plutôt que d'être au taquet au réglage, d'être un petit peu avec les gens, de discuter et tout. Donc ça fait des moments sympas aussi. Et puis voilà, tu noircis les pages pour faire que la prochaine fois, quand on y retournera, le bateau sera encore mieux, l'équipage encore meilleur. Et voilà, donc non, oui, du positif. Ouais, du positif. C'est très bien que ça fait plaisir à personne de faire demi-tour dans ces circonstances-là. On a vraiment pesé le pour et le contre. Bon, force a été de constater de toute façon que c'était vraiment un bon choix, quoi. On remarquera que ce trophée Jules Verne, c'est un peu l'Everest d'Avol, parce qu'il faut que la mer accepte de nous laisser passer, on va dire. Hein. Les montagnards disent que la montagne doit les laisser passer, la mer, c'est la même chose, quoi. On n'a pas... Ouais, la réussite, elle est prépondérante, tant au niveau météo qu'au niveau touchette sur l'eau et autres. Et puis là, patacra, quoi. Donc ce sera pour une prochaine fois.